L'importance de la prière en islam. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, la première chose sur laquelle le serviteur est jugé le jour de la résurrection, est la prière. Si elle est bonne, les autres actes seront bons, et si elle n'est pas bonne, les autres actes ne seront pas bons. Il a dit également, le fils de Adam n'a pas pratiqué une chose qui est meilleure que la prière, que de réconcilier entre les gens et que le bon comportement. La purification. Il faut d'abord faire les ablutions avec le plus grand soin, elle comprend la purification du corps, des vêtements, et du lieu où la prière est accomplie. La purification du corps se fait par l'un des deux moyens suivants. Le premier, le lavage rituel, en cas d'état d'impureté majeure, c'est-à-dire après l'éjaculation, le coït, les règles ou le chi, écoulement sanguin après l'accouchement. Le lavage consiste à se verser de l'eau sur tout le corps et les cheveux avec intention à se purifier. Le second, les ablutions. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit, Dieu n'accepte la prière de l'un d'entre vous s'il est en état d'impureté, que lorsqu'il fasse ses ablutions. L'ablution sèche. L'ablution sèche est symbolique, puisqu'elle ne ressemble pas à l'ablution normale. Elle est utilisée dans les cas suivants. Par peur de tomber malade à cause de l'eau. L'utilisation de l'eau aggraverait la maladie. Le fidèle n'a qu'une quantité d'eau suffisante pour boire. Le fidèle ne trouve pas d'eau. Il est permis de faire le tayammum par la terre pure et tout ce qui est tiré de la terre comme le sable, la pierre et le gypse. Remarque, l'ablution sèche doit être renouvelée avant l'accomplissement de chaque prière. Le tayammum est annulé par ceux qui annulent les ablutions. Il n'y a aucune différence entre les femmes et les hommes dans la façon de prier, sauf évidemment l'habillement, ainsi que la lecture, doit être toujours à voix basse concernant la femme. On doit se concentrer durant la prière, et éviter ce qui distrait. On ne doit pas commencer une prière alors qu'un repas est déjà servi, ou qu'on a envie de satisfaire un besoin naturel. Nous allons commencer. L'orientation vers la Kaaba. Après la purification complète du corps et du lieu, le musulman s'assure qu'il est bien l'heure de la prière, et se redirige en direction de la Qibla vers la mosquée sacrée de la Mecque. Celui qui ne connaît pas l'endroit de la Qibla à cause d'un nuage ou d'une obscurité, doit demander à une personne pour la lui indiquer. S'il ne trouve pas de personne à qui demander, il peut faire une jurisprudence personnelle, et exécuter sa prière sera comptée. Il ne doit pas la refaire même s'il s'aperçoit après de sa faute ou s'il se rend compte de sa faute pendant la prière, il se tourne vers l'endroit juste sans couper sa prière. Remarque, les musulmans ne prient pas pour la Kaaba. Elle est simplement le point central vers lequel les musulmans se tournent pour prier, ce qui signifie que les musulmans partout dans le monde sont comme la circonférence d'un cercle qui a un unique centre. La Kaaba est un symbole et non un objet d'adoration en lui-même. Se mettre debout. Se tenir debout est un devoir dans la prière, mentionné dans le Coran, d'après les traditions prophétiques et l'unanimité des savants, mais sauf pour ceux qui en sont incapables. Tous les savants se sont mis d'accord sur cet avis, comme ils se sont mis d'accord sur le fait de séparer les pieds. D'après Imran, Ibn Hussein, je me plaignais des hémorroïdes, alors j'ai demandé au prophète, paix et salut sur lui, à propos de la prière. Il m'a dit, accomplis ta prière debout, si tu ne peux pas, accomplis-la assis, si tu ne peux pas, accomplis-la allongée sur ton côté. La sutra. Il est recommandé de mettre un objet devant soi, en direction duquel on prie, pour empêcher les gens de passer, que l'on préside la prière ou que l'on prie seul. Avoir l'intention. Le prieur doit impérativement nouer l'intention d'accomplir la prière, pour laquelle il s'est préparé, et la préciser dans le cœur. Il n'y a donc absolument aucun besoin de la prononcer. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit, les actes ne valent que par les intentions et à chacun selon son intention. Celui dont l'émigration a pour fin Dieu et son envoyé, son émigration sera composée comme étant pour Dieu et son envoyé. Celui dont l'émigration a pour fin un bas monde qu'il atteint, ou une femme qu'il épouse, son émigration ne sera comptée que ce vers quoi il a émigré. Le takbir de sacralisation. On commence la prière par le takbir en fixant le regard vers l'endroit de la prosternation. Remarque, ceci est un pilier. On lève les deux mains, la paume des mains vers la Qibla, à hauteur d'épaule ou parfois à hauteur de la tête. Le prophète, paix et salut sur lui, levait ses mains parfois au même temps qu'il prononçait le takbir, parfois après et parfois avant. Allahu Akbar. On doit se concentrer durant sa prière, et concentrer son regard à l'endroit où l'on se prosterne. On ne doit regarder ni à droite ni à gauche, ni lever son regard vers le ciel. On place les mains sur la poitrine, en posant la main droite sur la main gauche,
le poignet et l'avant-bras. Le prophète, paix et salut sur lui, a ordonné à ses compagnons de faire cela, et parfois il tenait sa main gauche avec sa main droite. Les invocations d'ouverture. Ensuite il les sunna de commencer la prière, par certaines invocations, qui ont été rapportées du prophète, paix et salut sur lui. Si vous souhaitez approfondir, je vous invite à retourner au livre. Remarque, les sunnas n'annulent pas la prière, lorsqu'on les oublie volontairement ou bien involontairement, l'application de ces sunnas n'est pas obligatoire. Demandez la protection de Dieu. On demande la protection de Dieu contre le diable. Remarque, ceci est une sunna qui n'annule pas la prière, lorsqu'on l'oublie volontairement ou bien involontairement. Al-Basmala. Les avis des savants divergent sur l'obligation ou non dire la basmala à voix haute avant de lire la sourate Al-Fatiha. L'imam Shafi, la considérant comme un verset de la Fatiha, fait de sa lecture une obligation dans toute prière et dans tous les cycles de prière. D'autres, et ils sont largement majoritaires, ne la considèrent pas comme faisant partie de la sourate Al-Fatiha et donc préconisent de ne pas la lire, du moins ne pas la prononcer à haute voix. La récitation de la sourate Al-Fatiha. Ensuite on récite la sourate Al-Fatiha, l'ouverture. La récitation de sourate Al-Fatiha est obligatoire à chaque unité de prière. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit, pas de prière pour celui qui ne lit pas sourate Al-Fatiha. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit, Allah, qu'il soit glorifié et exalté, a dit, j'ai partagé la prière en deux parties, entre moi et mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il demandera. Si le serviteur dit, Allah, qu'il soit glorifié et exalté, répondra, mon serviteur m'a loué. Et lorsqu'il dit, Allah, qu'il soit glorifié et exalté, lui répondra, mon serviteur me fait des éloges. Et lorsque le serviteur ajoute, Allah, qu'il soit glorifié et exalté, lui répondra, mon serviteur m'a glorifié. Et lorsque le serviteur ajoute, Allah, qu'il soit glorifié et exalté, lui répondra, ceci est entre moi et mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il demandera. Et lorsque le serviteur ajoute, Allah, qu'il soit glorifié et exalté, lui répondra, ceci est à mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il demandera. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dire Amin. Il est de la sunna que chaque exécuteur de la prière, qu'il soit imam, priant derrière l'imam, ou priant seul de dire Amin après la récitation de Sourate Al-Fatiha. Le prophète, paix et salut sur lui, l'a dit à haute voix dans la prière faite à haute voix, et à voix basse dans celle faite à voix basse. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit, lorsque l'imam dit Amin, alors dites Amin, car certes celui dont la parole Amin correspond avec celle des anges, il lui est pardonné ses péchés précédents. Lire de ce que l'on peut du Coran. Il est sunna de réciter une autre sourate, ou quelques versets, après Al-Fatiha, dans les deux premières unités. Remarque. La récitation se fait à voix haute lors de la prière du l'aube, et des deux premières unités de la prière du coucher de soleil, et de la nuit. Et à voix basse durant la prière du midi, et de l'après-midi, la troisième unité de la prière du coucher de soleil, et les deux dernières unités de la prière de la nuit. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
Quand on finit la récitation des sourates, on doit marquer un léger silence juste le temps de reprendre son souffle. Puis on lève ses mains de la même manière qu'au premier takbir et on récite le takbir. Et on accomplit l'inclinaison. Remarque, l'inclinaison est un pilier. Le takbir est une obligation. Allahu Akbar. On place les mains sur les genoux, les doigts étendus, comme si on les tient avec. On courbe son dos et le tient d'une façon que si on y versait de l'eau, elle ne coulerait pas. On ne baisse pas la tête, ni les lèvres, mais on doit la garder au niveau du dos. On éloigne les deux coudes des deux côtés du corps. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit, le pire des voleurs c'est celui qui vole de ses prières. Les compagnons se sont exclamés, ô messager d'Allah. Comment vole-t-il de sa prière? Il a répondu, il ne fait pas convenablement l'inclination et la prosternation. Dans cette position on dit trois fois ou plus, et ceci est une obligation. Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim. Remarque, il est interdit de réciter le Coran pendant l'inclinaison et la prosternation. Le redressement de l'inclinaison. On se redresse de l'inclinaison et se tient droit et ceci est un pilier. Pendant qu'on se redresse, on dit, et ceci est une obligation. Sami'allahu liman hamida. Il est sunna de lever les mains de la manière qu'auparavant. Humed a décrit la prière du messager de Dieu, paix et salut sur lui, en disant, quand il se redressait il se mettait à l'aise de manière que chaque vertèbre revienne à sa position normale. Une fois redressé, on dit, et ceci est une obligation. Rabbana lakal hamd. La prosternation. On se prosterne en récitant le takbir. Remarque, la prosternation est un pilier. Le takbir est une obligation. Allahu Akbar. Quand on se prosterne, on doit s'appuyer sur ses mains, lesquelles doivent être ouvertes, les doigts étendus. On ne doit pas écarter les doigts des deux mains, on doit les faire pointer vers la Qibla. On met les mains au niveau des épaules, mais on peut les mettre aussi au niveau des oreilles. On élève l'avant-bras, pour qu'il ne touche pas le sol, et ne les étend pas comme fait le chien. Pendant le soujoud, il faut que les sept parties du corps touchent le sol. Le visage, front et nez, les deux paumes, les deux genoux, et les pieds. On garde les deux pieds droits en vertical, on dirige les bouts des orteils vers la Qibla, et on joint les talons des pieds. Remarque, ceci est un pilier. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit, lorsque l'individu se prosterne, cet organe se prosterne avec lui, son visage, ses deux paumes, ses deux genoux et ses deux pieds. On dit alors, et ceci est une obligation. Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la. Remarque, il est recommandé d'y multiplier les invocations, parce qu'elles y sont plus exaucées qu'ailleurs. Il n'est pas permis de réciter du Coran pendant la prosternation. S'asseoir entre les deux soujoudes. Puis on se relève en prononçant le takbir, et ceci est une obligation. Allahu Akbar. Puis, on s'assoit calmement et droit afin que tous les os reprennent leurs emplacements. Remarque, s'asseoir entre les deux soujoudes est un pilier. On étend le pied gauche et on s'assoit dessus. On garde le pied droit vertical. On dirige les orteils du pied droit vers la Qibla. Dans cette posture on dit, et ceci est une obligation. Rabbighfirli. La seconde prosternation. Ensuite on prononce le takbir et ceci est une obligation. Puis on se prosterne pour la deuxième fois de la même manière que la première fois, et ceci est un pilier. Allahu Akbar. On fait la même chose que dans la première prosternation. Dans cette posture on dit Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la. Ainsi se termine la première unité de prière. La seconde unité de prière. Se relever de la prosternation. Quand on lève la tête de la seconde prosternation, et on veut se relever, on récite le takbir. On peut s'aider des deux poings posés à terre, pour atteindre la position debout. Il est sunna de s'asseoir calmement sur son pied gauche avant de se relever pour se mettre en position debout. Remarque, le takbir est une obligation. Allahu Akbar. La seconde unité. On refait ce qu'on fait dans la première unité sauf, qu'on ne fait pas d'invocation de commencement, ni la demande de refuge. On récite Sourate Al-Fatiha et une autre sourate du Coran, puis l'inclinaison,
puis deux prosternations. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سبحان رب العظيم. سبحان رب العظيم. سبحان رب العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. رب اغفر لي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. Une fois qu'on finit la seconde unité de prière, on s'assoit pour réciter le tashahhud. Quand on lève la tête de la seconde prosternation, on récite le takbir. Allahu Akbar. On s'assoit de la même manière qu'à la posture d'entre les deux prosternations. On met sa main, paume, droite sur la cuisse et le genou droit, et l'extrémité de l'avant-bras droit sur la cuisse sans l'en éloigner. Et on étend la main gauche sur la cuisse et le genou gauche. On plie tous les doigts de la main droite en plaçant le pouce tantôt sur le majeur et tantôt sur l'index pour ainsi former un cercle. On étend et pointe avec l'index vers la Qibla. Et on le regarde fixement. Puis on récite le tashahhud à voix basse. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. S'il s'agit d'une prière constituée uniquement de deux unités, comme la prière de l'aube, la prière du vendredi ou de l'Aïd, on reste assis et finit par la salat sur le prophète. Voir après. Mais s'il s'agit d'une prière constituée de trois unités, comme la prière du coucher du soleil, ou de quatre unités, comme les prières du midi, de l'après-midi et de la nuit, dans ce cas, on se relève tout de suite après le premier tashahhud en récitant le takbir. La troisième unité. On se lève, ensuite pour accomplir la troisième unité. On récite le takbir. Allahu Akbar. On refait la même chose que dans la première et la deuxième unité, sauf qu'on ne doit pas réciter une deuxième sourate après la Fatiha. Remarque, la récitation de la sourate la Fatiha se fait à voix basse, dans la troisième et la quatrième unité.
الله أكبر. سبحان رب العظيم. سبحان رب العظيم. سبحان رب العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. رب اغفر لي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. S'il s'agit d'une prière constituée uniquement de trois unités, comme la prière du coucher de soleil, on reste assis et finit par la salat sur le prophète et le salam. Voir après. Mais s'il s'agit d'une prière constituée de quatre unités, comme les prières du midi, de l'après-midi et de la nuit, dans ce cas, on se relève tout de suite, après la seconde prosternation de la troisième unité, en récitant le takbir. Allahu Akbar. La quatrième unité. On refait ce qu'on a fait dans la troisième unité. On récite Sourate Al-Fatiha, puis l'inclinaison, puis deux prosternations. الله أكبر. سبحان رب العظيم. سبحان رب العظيم. سبحان رب العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. رب اغفر لي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. Une fois qu'on finit la quatrième unité de prière, on s'assoit pour réciter le tashahhud final. Quand on lève la tête de la seconde prosternation, on récite le takbir. Allahu Akbar. Il est sunnah de s'asseoir dans le dernier tashahhud, sur le flanc en mettant sa hanche gauche par terre, on sort les deux pieds d'un seul côté, en plaçant le gauche sous la jambe droite. On tient le pied droit vertical. On tient le genou gauche par la main gauche en s'en servant comme appui. On plie tous les doigts de la main droite en plaçant le pouce tantôt sur le majeur et tantôt sur l'index pour ainsi former un cercle. On étend et pointe avec l'index vers la Qibla. Et on le regarde fixement. Puis on récite le tashahhud à voix basse. At-tahiyyatu lillah wa salawatu wa tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ensuite, il est sunnah de demander de la protection de Dieu contre les quatre épreuves, contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre la tentation de la vie et de la mort, et contre le mal de la tentation de l'antéchrist. La salutation finale. Ensuite, on salue à droite en tournant la tête jusqu'à ce que la blancheur de la joue soit visible par celui qui est derrière. Puis,
On salue à gauche en tournant la tête jusqu'à ce que la blancheur de la joue soit visible par celui qui est derrière. En disant Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Après la prière, on peut prolonger encore un peu le recueillement en faisant des invocations. Le messager de Dieu, paix et salut sur lui, a dit, celui qui a un besoin vis-à-vis de Dieu, qu'il en fasse la requête après chaque prière prescrite.